Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 16h et on est encore au rendez-vous Transformation du droit au Palais des Congrès. Alors là, pour cet entretien, on va prendre un petit peu de hauteur, je dirais, pour devenir davantage auteur de notre écosystème juridique. Parce que j'ai le plaisir de recevoir Véronique et Jean-Marie qui vont nous parler de la filière juridique. Moi, je sais pas vous, mais j'ai un peu de mal à visualiser ce qu'est une filière, c'est vrai. Ça, c'est un micro, ça, c'est un stylo, ça, c'est un gobelet de café. Mais une filière, moi, j'ai jamais vu dans la vie. Est-ce que vous pouvez peut-être généralement vous présenter et m'expliquer qu'est-ce que c'est que la filière juridique qui vous tient tant à cœur? Je vais me présenter. Je suis Véronique Chapuis, vice-présidente de l'Axe Innovation et R&D de la filière des services juridiques et du droit. Et Jean-Marie Valentin, je suis le président de la filière des services juridiques et du droit. Alors, la filière, quand on parle de filière, on ne parle pas textile. Oui, oui. Voilà. La filière, c'est quoi? C'est une initiative qui a été lancée il y a plusieurs années, avec notamment le plan d'investissement d'avenir, qui a été lancé par le gouvernement français avec l'ensemble des industriels. On compte 19 filières au total. Et l'objectif du plan d'investissement d'avenir, c'était de fédérer les acteurs en écosystème pour, par exemple, la filière de l'eau, de l'énergie, de la sécurité, de l'agriculture, etc., pour que ces acteurs, en étant des masses critiques, répondent à trois défis. Des défis de compétitivité, compétitivité non seulement nationale mais aussi internationale. Deuxièmement, un défi de transformation digitale, puisqu'on est en pleine globalisation et dématérialisation. Et troisièmement, un défi de développement des compétences. Et du coup, plus spécifiquement sur la filière du droit, parce que je comprends que la filière du droit est une filière à part entière, comme les autres que tu as citées. Qu'est-ce que c'est concrètement et quel est le poids de la filière des services juridiques aujourd'hui en France? C'est une bonne question, Arthur, et effectivement c'est tout l'enjeu de la démarche que nous entreprenons. Aujourd'hui, la filière des services juridiques et du droit, c'est 400 000 emplois directs et 55 milliards de points de PIB, enfin de milliards d'euros de PIB annuel. Lorsque l'on fait la somme de l'ensemble des professions juridiques, l'ensemble des acteurs juridiques également au sein des entreprises, l'ensemble des juristes, l'ensemble des éditeurs, des legal tech, l'ensemble des personnes qui ensemble contribuent au cycle de production et à la diffusion du droit. Et l'ensemble de cette filière, en fait, elle est au service des usagers du droit, que ces usagers soient les entreprises, les consommateurs, le citoyen. Donc la filière des services juridiques, elle permet de nommer les choses et de les faire apparaître. Oui, aujourd'hui, en France, on a une filière des services juridiques et du droit, et je crois qu'aujourd'hui, ce salon en est l'illustration. Nous participons tous de la même filière, et cette filière a une énorme valeur, déjà pour ses membres, mais également pour notre collectivité nationale. Évidemment, dans le secteur du juridique, il y a plusieurs sujets qui se posent, c'est-à-dire qu'on est au service au quotidien du justiciable, des entreprises. Il y a un rapport aussi au pouvoir public qui est très important dans le secteur juridique, parce que mine de rien, qui fait la loi? Ce sont les juristes. Qui va défendre la loi? Qui va interpréter la loi? Ce sont les juristes. Quel est votre rapport, vous? Enfin, quelle est pour vous la place de la filière juridique face au pouvoir public? Bien sûr, Déjà, une place de reconnaissance, hein, parce qu'aujourd'hui, les services juridiques sont très parcellaires. On a encore une vision historique où, finalement, on a le législateur, le juge, l'avocat, le notaire, mais c'est méconnaître toutes les avancées qu'on a pu montrer avec les legal tech, les nouvelles fonctions, les juristes concepteurs, le juriste augmenté, le legal design, d'autres systèmes encore. Il faut absolument qu'on puisse se fédérer pour évoluer, se transformer. D'ailleurs, je rajouterais qu'on n'est pas face au pouvoir public, on est avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les services juridiques et le droit est un instrument au service de la souveraineté, de l'attractivité de nos systèmes, de notre économie, mais également de nos systèmes politiques. Le droit, c'est la résultante de ce que nous sommes en termes de collectivité, en termes de communauté. Et il y a un défi également de compétitivité, de souveraineté de nos systèmes juridiques dans la grande compétition mondiale. Bien sûr. Des systèmes, entre les systèmes anglo-saxons, les systèmes effectivement français et continentaux, et demain les systèmes de type chinois, qui sont aussi des systèmes d'organisation des fonctions juridiques de plus en plus efficaces, notamment au travers des enjeux technologiques. Bien sûr, et c'est vrai qu'il y a,
Il y a un mot qui revient souvent, c'est interprofessionnalité. Mm-hmm. Nous, dans le secteur du juridique, on a souvent tendance à nous hypersegmenter en métiers et en sous-métiers. Oui. Il y a les avocats, il y a les juristes, il y a les notaires, il y a les huissiers, il y a les magistrats, etc. Et encore dans les avocats et dans les juristes, il y a différents types de juristes. La filière, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être faire corps ensemble, c'est se regrouper. Et pour vous, quel est l'intérêt aujourd'hui, en termes de compétitivité, en termes d'influence ou autre chose, de regrouper la famille juridique, la famille des services juridiques sous un même drapeau, si je peux me permettre l'expression? Moi, je dirais que déjà, c'est avoir une masse critique. Hein, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des acteurs qui sont morcelés, ils sont moins efficaces pour exprimer leurs besoins, et que des solutions qui peuvent les aider à relever ces défis et à être véritablement qualitatifs, compétitifs, hein, puissent être développées. On a vraiment besoin d'innover, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs axes, dont l'axe innovation. Il y a la formation des compétences, il y a des enjeux éthiques, hein, des enjeux de plateformisation. On est en pleine transformation, et se regrouper, c'est être plus fort. Oui, et si je prends une image, si on devait prendre par exemple un bloc opératoire sur une opération à cœur ouvert, on va avoir autour de la table le cardiologue, le radiologue, l'infirmière, la personne qui s'occupe des machines. Et c'est chacun des professions différentes qui ont leur raison d'être et leur justification, mais ils sont au service du même patient. Et bien la plateforme, enfin la filière a la même stratégie, c'est-à-dire que la filière n'a pas vocation à se substituer aux différentes professions qui ont parfaitement leur raison d'être et qui doivent rester maîtres de la défense de ce qu'elles sont et de leur raison d'être véritablement. Mais en revanche, la filière doit s'assurer qu'ensemble, nous sommes au service finalement des mêmes usagers, du même système et de notre compétitivité collective en tant qu'effectivement communauté nationale et également au niveau européen par rapport à nos enjeux effectivement de souveraineté, de guerre économique avec d'autres acteurs, d'autres systèmes, d'autres parties prenantes qui viennent avec leur propre système et leurs propres experts des services juridiques et du droit. Parce que c'est vrai que si on ne prend pas notre destin en main, d'autres professions vont intégrer le droit dans les processus parce qu'ils vont avoir compris le fait que le droit est un élément clé doit se développer. Et donc finalement, on en revient aussi au sujet du guichet unique pour le justiciable. Et je pense que ça, c'est intéressant en termes de conclusion. C'est de se dire que les avocats, le droit, les juristes, les magistrats, les notaires sont au service du justiciable. Et ce qu'il faut, c'est prendre en compte ses besoins, c'est l'écouter et lui offrir peut-être un service transversal en s'inspirant de start-up, en s'inspirant d'acteurs qui sont extérieurs au secteur juridique pour lui proposer un service à forte valeur ajoutée qui se sente considéré. Arthur, bienvenue dans la filière. Merci, Mazel Tov, comme on dit. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre temps, pour cet entretien qui était extrêmement intéressant. Et je vous souhaite à tous les deux une très bonne journée et un très bon salon. Merci beaucoup. Merci. La filière est ouverte en tous les cas. C'est beau.